Bastide est redevenu l'allié de l'Europe. Mais les événements qui ont marqué 2014 ont rappelé le climat de la guerre froide. Comment sommes-nous replongés dans une logique de guerre en quelques mois? La Russie est le principal exportateur de gaz au monde. Son implication dans la guerre de l'Ukraine aura-t-elle été patriotique ou économique? L'approvisionnement en énergie pourrait-il devenir la clé de l'avenir de l'Union européenne? Le Kremlin chercherait-il à affaiblir l'Europe par tous les moyens pour préserver sa domination économique? Мы говорим о надежности. Даже в самые тяжелые годы холодной войны никогда не срывал поставок в Европу. Le monopole de l'ère soviétique englobe tous les anciens satellites de l'URSS. De nos jours, les oligarques russes ont déséquilibré l'économie de la Russie au point que le pétrole et le gaz représentent plus de 50% de l'ensemble du produit intérieur brut. 35% de toute la richesse en Russie est entre les mains d'une centaine d'individus. Par comparaison, aux États-Unis, 3 millions de personnes se répartissent la même part de richesse. Jusqu'en 2011, deux tiers des exportations de gaz russe transitaient par l'Ukraine. Pas question pour Kiev de ne pas respecter les règles du jeu imposées par Gazprom, le monopole contrôlé par la garde rapprochée de Vladimir Poutine. Gazprom n'est pas une compagnie énergétique ordinaire. C'est une arme politique, économique et militaire aux mains du Kremlin. Известный негативный пример – это кризис 2009 года с Украиной, незаконные требования к Российской Федерации запредельно снижать цены для внутреннего потребления Украины привели, по сути, к отказу транзитировать наш газ в Европу. Les vieux gazoducs soviétiques alimentent toujours en grande partie les pays les plus industrialisés d'Europe. Tôt ou tard, ils devaient être remplacés. Les années de tension avec Kiev laissent le Kremlin songeur. L'aspiration des jeunes Ukrainiens à faire partie de l'Union européenne vient ajouter du gaz sur le feu. Viktor Yanukovych, candidat favori de Moscou, avait été élu président en 2010 en promettant l'Europe aux électeurs. Trois ans plus tard, son gouvernement a atteint des sommets inégalés de corruption. L'économie piétine, tandis que des milliards en fonds publics sont blanchis ou détournés à l'étranger. L'Ukraine a une forte dette envers la Russie pour le gaz, mais Yanukovych prétend que les fonds sont épuisés. Moscou se sert de ce prétexte pour forcer Yanukovych à faire volte-face juste avant de signer un accord de libre-échange avec Bruxelles.
C'est la révolte. Les jeunes occupent la place Maïdan, bientôt rejoints par diverses factions, dont des membres de l'extrême droite qui espèrent tirer parti de la confusion. Les yeux du monde étaient alors braqués sur les Jeux de Sotchi. Personne ne sait encore qui a tiré le premier. Mais le 20 février 2014, des centaines de gens sont tués par balles. Yanukovych et sa police sont pointés du doigt et le 22 février, il prend la fuite. Inquiet de la tournure des événements, Moscou ne songe qu'à protéger son monopole du gaz en Europe. La première étape est le contrôle de la mer Noire. La base navale russe de Sébastopol, établie en Ukraine, en est la clé. Moscou marche en Crimée le 28 février et cette annexion est couronnée par un référendum expéditif deux semaines plus tard. Avant de devenir un des écrivains les plus édités en France, Vladimir Fedorovski a fait partie de la diplomatie russe de Léonid Brejnev à Mikhaïl Gorbatchev. Poutine, pour moi, ce n'est pas un stratège, c'est un tacticien et c'est quelqu'un qui répond coup pour coup. Il n'y avait pas de stratégie, par exemple, de Poutine de la prise de la Crimée. Poutine a répondu à ça. Pourquoi? Parce que ça a commencé par cette controverse autour des taxes. Au début, l'entrée ou ne pas entrer l'Ukraine à l'Union européenne, il sous-estime à ce moment-là la faiblesse, la corruption du président Yanukovych. Yanukovych est viré. Poutine, c'est un joueur, mais c'est plus un judoka qu'un joueur d'échecs et c'est plus un tacticien qu'un stratège. Которая была нарушена с передачей, с незаконной передачей, я хочу подчеркнуть, Крыма Украине. Dire que Poutine est responsable, seul responsable de la crise en Ukraine, c'est une illusion. Poutine, je ne l'aime pas, mais il peut nous servir d'un reflet, d'un adage que dans le royaume des aveugles, le borgne roi. Poutine sent que la situation est un des meilleurs moyens pour Gazprom de tirer son épingle du jeu. Sans la participation de la Russie, cette crise n'aurait pas été si violente. Même la violence de la place Maïdan a été largement due aux pressions exercées par la Russie et à l'implication de leurs services secrets. En constatant les fluctuations de son territoire au fil des ans, on comprend un peu mieux l'existence des tensions internes. Après la Crimée, les régions de l'Est, avec une aide musclée de la Russie, échappent au contrôle du gouvernement central de Kiev. On voit apparaître dans les médias de nouveaux drapeaux et tracés de cartes, comme pour mieux donner un côté irréversible à l'autonomie de facto des provinces de l'Est de l'Ukraine. En novembre 2014, un gouvernement séparatiste est élu à Donetsk. La démocratie expéditive reste encore efficace. Nous aurons alors une Ukraine amputée, possiblement isolée de la mer, sans son industrie lourde, une région très amère, sentant avoir été trahie par l'Occident. Edward Lucas, un des éditeurs en chef du magazine The Economist, est spécialiste des questions de l'Est et de la Russie. Il a longtemps été en poste à Moscou, jusqu'à ce que le Kremlin le déclare indésirable. La Russie est un important fournisseur de gaz, mais elle n'est pas le seul. Nous pouvons constituer nos propres réserves pendant l'été. Nous pouvons acheter plus de gaz à la Norvège. Nous pouvons faire plein de choses si nous le voulons vraiment. Toutes ces solutions ont un prix, parfois très élevé, et nous ne sommes pas prêts à payer. Nous préférons voir M. Poutine gagner plutôt que d'avoir froid et de s'appauvrir. Le gaz fait partie intégrante de la politique étrangère des Russes. Et ils ne font pas un secret du fait qu'ils utilisent la dépendance au gaz comme moyen pour que les pays restent gentiment amicaux ou craintifs.
Ce qui s'est produit en Ukraine pourrait-il gagner les pays de l'ex-bloc soviétique qui font partie de l'Union européenne, comme la Bulgarie? Des pays qui, comme l'Ukraine, comptent des communautés ayant de solides affinités économiques et historiques avec la Russie. Vassil Filipov a toujours été étroitement associé aux services secrets. Il est devenu le grand patron de Bulgargaz, puis il a réalisé qu'il ne travaillait pas pour le développement de son propre pays, mais plutôt pour celui des Russes. Suite à ses dénonciations publiques, il a échappé à plusieurs attentats à sa vie. Il est toujours armé, possède 10 numéros de téléphone pour déjouer l'écoute électronique et a installé des vitres pare-balles tout autour de son bureau. La Bulgarie n'a jamais pu développer son indépendance énergétique. Elle s'est toujours laissée gouverner, exploiter ou entraver par l'Union soviétique. Et la Russie d'aujourd'hui est le successeur de cet État colonial. Les réserves sont énormes et le gaz russe a toujours trouvé preneur en Europe. Pour certains pays, la dépendance est totale. Le but de Gazprom est que les choses restent ainsi. La Russie dépend entièrement de ses exportations. Elle n'a rien d'autre à exporter. Suite aux multiples conflits gaziers entre 2005 et 2009, Gazprom et ses partenaires européens contournent l'Ukraine par le nord avec un premier gazoduc passant sous la mer Baltique en 2011, Nord Stream. Poutine entend aller plus loin avec le projet South Stream. L'idée est de faire passer le reste du gaz sous la mer Noire pour en ressortir en Bulgarie. South Stream n'est absolument pas rentable. C'est un projet purement politique pour favoriser l'expansion du gaz russe. Le problème n'est pas seulement une question de politique ou de corruption. Il est lié à la volonté de Gazprom de contourner les règles du troisième paquet législatif de l'Union européenne. Le troisième paquet est un ensemble de règles adoptées par le Parlement de Bruxelles pour contrer toute prise de contrôle du marché intérieur par un monopole. Il est dans l'intérêt de tous les pays de l'Union de pouvoir diversifier les sources d'approvisionnement en gaz. Tout gazoduc desservant l'Europe devrait pouvoir être utilisé par divers fournisseurs. Mais si un propriétaire de gazoduc était également fournisseur, il pourrait imposer son monopole. Gazprom n'aurait ainsi pas le droit d'être à la fois producteur de gaz et gestionnaire du réseau de distribution South Stream, pas plus que d'entreprendre un si gros chantier sans appel d'offres, comme ce fut le cas. Gazprom détient 50% des parts de South Stream avec l'Italie, la France et l'Allemagne. Des ententes de droits de passage ont été signées avec 6 pays de l'Union, soit la Bulgarie, l'Autriche, la Hongrie, la Croatie, la Slovénie et la Grèce. Ces derniers sont invités par Bruxelles à renégocier avec la Russie. Mais selon Poutine, les règles internes de l'Union ne s'appliquent pas. La bataille est engagée sur tous les fronts. La Bulgarie se trouve entre le diable et le fond de la mer Bleue. D'un côté, elle a des obligations envers l'Union européenne, et de l'autre, elle doit défendre les intérêts de la Russie. L'influence sur les finances et la politique bulgare de cette dernière est manifeste. Personne ne parle du coup de South Stream. C'est une source d'incertitude, puisqu'il s'agit manifestement d'un projet d'infrastructure dont Poutine s'est servi pour faire du chantage en Ukraine. Les pressions des Américains et de Bruxelles ont eu raison de South Stream. Poutine en a profité pour déclarer l'abandon de ce projet mort-né. À la place, et pour une fraction du coût, Gazprom pourrait construire un gazoduc passant par des territoires mieux soumis aux désirs du Kremlin. Serait-ce le véritable enjeu de la guerre en Ukraine? En attendant, Poutine a signé une alliance gazière avec la Turquie, un autre membre de l'OTAN mais pas de l'Union européenne.
De quoi semer encore plus la zizanie. La crise en Ukraine repose sur un enjeu énergétique. Les pipelines qui traversent l'Ukraine fournissent l'ensemble de l'Europe et rapportent des milliards aux Russes. Mais il y a une question plus importante que personne n'a l'air de comprendre. Poutine dit « Les frontières et les lois internationales ont moins d'importance que le fait que nos compatriotes vivent là-bas. Ils sont 1, 2, 3 millions et nous avons le devoir d'aller les aider. Les règles européennes ne s'appliquent pas. » Avec de telles politiques, le monde se transforme en jungle. Les pipelines russes n'exportent pas que du gaz, mais aussi de la corruption. Et c'est pourquoi les Russes aiment tant les pipelines et leur construction, malgré des coûts énormes pour le peuple russe. Co-fondateur du site Bivol qui enquête sur la corruption et les liens entre politique et crime organisé, Hassan Yordanov a été choisi par Reporters sans frontières pour sa liste des 100 héros de l'information en 2014. S'il est beaucoup question de corruption en Bulgarie, les vrais responsables sont les entités économiques sous le contrôle de structures politiques liées à la sécurité d'État et aux services secrets comme le KGB, auquel appartenait notamment M. Poutine. Pendant l'ère soviétique, la Bulgarie a été le plus fidèle vassal de la Russie. La transition démocratique que le pays a connue à compter des années 90 a suivi de très près le modèle russe. Appropriation des biens publics par les oligarques, formation de cartels, contrôle de la presse et des partis politiques. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait des milliardaires en Bulgarie. Pendant les années de transition de la Bulgarie, d'une manière ou d'une autre, l'argent est tombé dans les poches de l'ancienne nomenclature, les dirigeants et leurs cercles. Entre 18 et 25 milliards d'euros, pour un pays pauvre comme le nôtre, c'est une somme colossale. Les élections américaines sont parmi les plus coûteuses au monde, sans doute les plus coûteuses. Eh bien, lors des campagnes électorales, la Bulgarie dépense plus par habitant que ce qui se fait aux États-Unis. Un pays pauvre qui dépense plus que les riches États-Unis. Tout cet argent vient des cercles oligarchiques. Le plus pauvre pays de l'Union européenne est pourtant un des pays avec le plus de voitures de luxe per capita, une luxueuse Riviera et des habitudes de vie dignes des grandes économies. Tandis qu'une majorité de Bulgares vivent pratiquement au seuil de la pauvreté. Les retraités, les chômeurs et les minorités ethniques ne touchent que 100 euros par mois. La Bulgarie a changé depuis qu'elle a joint l'Union européenne, mais seulement en surface. Les problèmes fondamentaux n'ont pas changé. Je parle ici de la superposition entre affaires et politique, entre criminalité et politique, mais d'abord et avant tout, de l'influence russe. Il est clair que la Russie est prête à exercer toutes sortes de pressions sur les pays qui lui désobéissent. Nikolai Zaryev est un des rares propriétaires de PME en Bulgarie qui soit indépendant. Non seulement il doit encore beaucoup aux banques officielles, mais il a dû emprunter parallèlement pour assurer la protection de son entreprise. Le financement des affaires chez nous est très différent de celui en Europe. Le système bancaire chez nous est dans un état critique. Les prêts qu'on nous propose ont un taux d'intérêt entre 12, 15 et 18%, tandis qu'en Europe, ils sont de 1 à 2%. Après la chute du mur de Berlin, nous sommes partis de zéro. Et ceux qui n'avaient pas accès à l'argent sale ou au blanchiment d'argent ou à l'appui financier de certains partis politiques se sont retrouvés dans une situation très dure. Nous nous heurtons tout le temps à l'administration et aux dictats des monopoles qui entravent les affaires. Et suite à ça, nous nous retrouvons dans une situation très difficile.
C'est ainsi dans tous les domaines, l'agriculture, les PME, l'industrie alimentaire. Et c'est comme ça aussi dans le grand business. C'est ça la Bulgarie. Depuis plus de 10 ans, Hristo Hristov mène des enquêtes comme journaliste spécialisé dans les liens entre le KGB, la Securitate et les pouvoirs actuels en Bulgarie. Son logement a été saccagé, sa voiture vandalisée et à maintes reprises, lui et sa famille ont été menacés directement. Les services spéciaux actuels se croient au-dessus de la loi. Ils travaillent en grande partie comme ils le faisaient il y a 25 ans et plus. En se plaçant au-dessus de la loi, ils ne servent plus l'intérêt commun. Et ils sont dirigés par des gens encadrés par Moscou. Le contrôle du gaz, c'est le contrôle du pouvoir. Or, dans le modèle russe, la majorité des détenteurs du pouvoir sont les héritiers de ceux qui, avant, tiraient les ficelles dans l'ombre. Voici le serment d'allégeance au KGB d'un homme qui est devenu conseiller du Premier ministre. Poutine excelle dans l'art de repérer les gens vulnérables. Certains ont des sentiments anti-américains. D'autres sont plus réceptifs à la flatterie. Et parfois, il y a un intérêt commercial. Poutine repère les faiblesses. Il est très doué pour cela. Il se sert de son entraînement au KGB. Il sait comment manipuler les gens. Parfois, cela viole ouvertement la loi en causant de vrais scandales. Parfois, il joue de psychologie. Et c'est souvent un mélange entre les deux. Depuis plus de 25 ans, Jürgen Roth enquête sur les mafias de l'Est et de la Russie. Il a publié plus de 30 livres sur le sujet. Son domicile a été l'un des premiers à pouvoir être masqué sur Internet, car il a été l'objet de plusieurs menaces et intimidations. Dont cette incitation publique à la violence d'un ex-ministre de l'Intérieur en Bulgarie. Les gouvernements des pays occidentaux ne sont pas vraiment convaincus que les systèmes démocratiques courent un danger quand il y a des liens entre les groupes criminels organisés, la mafia et les représentants de l'État. Au Monténégro, en Bulgarie, au Kosovo, dans tous ces cas, on constate des liens étroits entre le crime organisé, la corruption et l'élite politique. Pour le Kremlin, que peut valoir l'intérêt du peuple face à l'intérêt supérieur de la nation pour le gaz ? Bruxelles est le plus grand investisseur dans notre région, la Bulgarie et la Roumanie. C'est un investisseur clé. Mais en même temps, Bruxelles n'a pas chez nous l'influence que peut avoir, par exemple, un oligarque russe comme le patron de Gazprom. Je connais assez bien Boyko Borisov. Quand il était premier ministre de la Bulgarie, il m'a conté une anecdote de sa première rencontre avec M. Poutine à Danzig. Poutine lui a dit « Nous voulons que vous appuyiez le projet South Stream et Gazprom pourrait faire d'importants investissements en Bulgarie. Sinon, vos citoyens auront froid cet hiver. » En 1998, j'ai signé un contrat de livraison de gaz d'une durée de 13 ans. Pendant 4 ans, la Bulgarie n'a pas touché un sou de ce qui lui revenait. Un manque à gagner de 2 milliards et quelques. Pour notre petit pays, c'est énorme. La Russie n'est pas un partenaire correct. La présence russe se fait sentir tout le long de la côte bulgare en mer Noire, y compris à quelques encablures d'un des symboles de l'Union européenne, une base de l'OTAN. Depuis toujours, la mer Noire est un carrefour vital du point de vue militaire et pour intercepter la contrebande.
Il n'y a pas de pays moins important que d'autres dans l'OTAN. Chaque pays a son poids dans les décisions à prendre. Évidemment, les plus grands pays ont plus de poids, mais la Bulgarie a toujours joué son rôle et il continuera à augmenter. À la conférence de Yalta, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale signaient un accord garantissant la liberté de choix à tous les pays ayant des frontières avec la Russie. Mais l'Union soviétique ne tient pas sa promesse et les annexe tour à tour. Pour mettre un terme à cette expansion, le traité de l'Atlantique Nord est signé le 4 avril 1949. C'est la naissance de l'OTAN. L'OTAN est une structure unique, elle n'a pas d'équivalent. Avec son conseil permanent, les 28 pays, y compris le Canada, ont chacun leur vote et doivent s'entendre ensemble sur ce qu'il convient de faire. C'est bien pour tout le monde. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est passée depuis de 12 pays à 28 et peut compter 65 ans de paix en Europe. L'acte fondateur Russie-OTAN, signé en 1997, confirmait cet apaisement et la fin de la guerre froide. Il réaffirmait la détermination de l'OTAN et de la Russie de donner corps à leur engagement commun de construire une Europe stable, pacifique et sans division. Force est de constater que, moins de 20 ans plus tard, les relations se sont considérablement refroidies. L'accord signé par la Russie et l'OTAN en 1997 confirme cet apaisement. Le Conseil de l'Atlantique Nord a fait une déclaration en réponse à la situation entre l'Ukraine et la Russie, à l'effet que nous sommes unis. Une façon de le démontrer est de regrouper les alliés et de mener ce type d'exercice, d'être présent sur le terrain. La force de l'Alliance Atlantique est à même d'ébranler le monopole du gaz. Mais Moscou n'interviendra pas militairement dans un pays membre de l'OTAN en raison de conséquences catastrophiques. Actuellement, la seule chose qui se passe, c'est qu'il y a une guerre dans un bout d'Ukraine où les gens sont russes. Et de ce fait-là, je ne peux pas tirer l'idée que la Russie est en train d'agresser le monde occidental. Voir un Canada va en guerre, comme voir une Suède va en guerre, ça m'a fait du mal. Le lieutenant-général à la retraite Charles Bouchard a été commandant des forces de l'OTAN en 2011 lors de l'intervention militaire en Libye. Est-ce que l'OTAN est une force de dissuasion pour empêcher Poutine de faire quelque chose sur les marges? Non. C'est bien sûr, article 5, ça c'est la ligne. Mais Poutine le sait. Poutine sait qu'il ne peut pas croiser ce ligne-là. L'article 5 dit si un pays, un des membres de l'OTAN se fait envahir, tous les autres doivent voler à sa rescousse et défendre au meilleur de leur capacité et de leur volonté. Le Kremlin hésite, mais toute expansion de l'OTAN est vue comme une menace directe à l'économie russe. Admettons qu'il y avait une intervention russe dans un des pays membres de l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine. Moralement et légitimement, tous les membres de l'OTAN auraient une responsabilité de voler au secours de cet État-là. Lorsqu'on regarde l'importance de l'OTAN pour la Russie, c'est essentiellement parce que l'OTAN, maintenant, partage des frontières avec la Russie, ce qu'elle n'avait pas à la fin des années 90. Cette réponse-là, d'avoir déployé, par exemple, 6 F-18 en Roumanie, c'est essentiellement, ça vise à rassurer ces membres de l'OTAN-là, de l'Europe de l'Est. La Russie a toujours été portée sur ce genre de bravade. Elle sait que nous ne voulons pas de confrontation. La confrontation la fait paraître forte.
Bien que l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie soient parmi les plus petits pays d'Europe, la propagande est parvenue à les pointer comme les principaux ennemis du peuple russe. La sécurité militaire des pays baltes m'inquiète beaucoup. Leur situation est comme celle de Berlin-Ouest pendant la guerre froide. Ils représentent un symbole vital, mais sont indéfendables d'un point de vue militaire. La seule façon d'assurer la défense des pays baltes n'est pas en envoyant 2, 6, 10 ou même 20 avions de chasse, mais en faisant bien comprendre que tout le poids de l'OTAN est derrière eux. Nous savons tous que les États baltiques sont vulnérables. Nous avons toujours été bien conscients de la nécessité de les défendre. Ce n'est pas comme si ça sortait de nulle part. Je n'ai pas de doute que si quelque chose survenait en Estonie, une réplique adéquate viendrait de l'OTAN. Pour les Russes, envahir un pays membre de l'OTAN, c'est pas du tout le même type de jeu que d'envahir un pays qui n'est pas membre de l'OTAN. Bien sûr, nos armes sont plus sophistiquées que celles des Russes. Nous avons de meilleurs navires, de meilleurs avions, de meilleurs tout. Mais dans cette guerre, la lutte ne porte pas sur la force militaire. Elle porte sur des moyens non conventionnels. La question fondamentale est, sommes-nous prêts à appliquer sur Poutine le niveau de pression qui lui ferait vraiment changer d'idée? Pour le moment, la réponse est non. Les Allemands veulent acheter le gaz russe, les Britanniques veulent blanchir son argent et les Français veulent lui vendre des navires de guerre. Tous les pays d'Europe ont peur de déplaire à Poutine, et il le sait. Si les armes conventionnelles jouent un rôle mineur actuellement en Europe, les revenus du gaz donnent tout de même aux Russes les moyens de moderniser leur armement. Les liens entre la France et la Russie ne se limitent pas aux livraisons de gaz. Sous Sarkozy, quand la Russie avait encore libre accès aux corridors de l'OTAN, d'importants contrats militaires ont été négociés. Le Mistral illustre particulièrement bien la façon dont Poutine négocie avec l'Europe. Il a repéré une faiblesse. En France, Sarkozy cherchait désespérément à sauver les emplois de cet important centre industriel. Les navires de classe Mistral représentent la dernière génération de porte-hélicoptères amphibies. Ils constituent la nouvelle norme pour les forces de réaction de l'OTAN. Ce contrat a été signé dans le bon vieux temps. Le Mistral est un outil redoutable pour les assauts. Par exemple, le chef de la défense russe a dit que s'ils avaient eu un Mistral, la guerre menée contre la Géorgie, au lieu de prendre plusieurs semaines, n'aurait duré que 48 heures. Avant la livraison, 400 marins sont débarqués de la frégate Smolny à Saint-Nazaire pour compléter le transfert technologique. Les Français sont pris au piège. Ils ne peuvent annuler, ils ne peuvent continuer. Le genre d'embarras qui convient parfaitement à Poutine. Une autre forme d'entente parallèle nous ramène à la baie de Burgas, dans un terminal russe, à deux pas de la base de l'OTAN. Le terminal de Rosenets est le plus important terminal pétrolier en Europe de l'Est. Il se situe sur le territoire bulgare, à quelques centaines de mètres de la base de l'OTAN, tout près de Burgas. Cette enclave n'est pas sous juridiction bulgare. Paradoxalement, elle est entièrement contrôlée par le géant russe Lukoil. Après avoir si bien fait en Ukraine, il est tentant pour Poutine de chercher à miner la crédibilité de l'OTAN dans les États plus vulnérables. Ce secteur est 100 fois mieux protégé que nos frontières. Cette corporation a été introduite dans la société bulgare pour reproduire le modèle oligarchique russe. La Russie n'est pas un pays souverain. C'est Poutine et son despotisme. Cela devient de plus en plus dangereux pour nous tous, pour l'ensemble de l'Europe, pour le monde entier, et de plus en plus imprévisible, car il n'y a pas de correctif interne. Je pense que c'est un problème que Poutine n'ait pas de gens pour lui dire qu'il se trompe. Au début, il avait plusieurs conseillers qui lui donnaient un avis d'un côté, puis un différent de l'autre. Il décidait pour lui-même. Il semble maintenant entièrement dépendant sur les sources des services de renseignement, souvent fausses ou paranoïaques.
et le plus souvent donné par des gens qui essaient de dire ce que le patron veut entendre. Il ne nous reste qu'à attendre des correctifs venant de l'extérieur. À ce chapitre, je suis en faveur d'une position plus ferme de la part de l'Union européenne et de celle des pays de l'Amérique du Nord, y compris le Canada. Parce que l'attitude agressive de la Russie ne peut être équilibrée et stoppée que par une prise de position catégorique du point de vue de la civilisation occidentale. L'OTAN ne fait pas confiance à la Bulgarie. Ce manque de confiance envers tous les pays comme la Bulgarie est considérable. Tout ce qui passe par la Bulgarie tombe dans l'oreille des Russes. Au cours des dernières années, la Bulgarie a servi de cheval de Troie pour le compte des Russes dans les pays européens. Et j'ai bien peur que cette situation ne se poursuive. Puisque la Bulgarie collabore si bien avec Poutine, une crise comme en Ukraine n'aura pas lieu ici. Pas plus que dans les autres pays concernés par la nouvelle distribution du gaz. Pour moi, Poutine est complètement lisible. J'ai une rationalité, une maîtrise de soi tout à fait exceptionnelle. Excellente formation, KGB. Comme disait Hélène Carrère-Dancos, sans doute un jour, KGB pour la Russie, c'était l'équivalent de l'ENA en France. En mieux, puisque quand on voit nos gouvernements, en France, on n'a pas des mecs du niveau de Poutine. Moi, à mon sens, les Occidentaux devraient plutôt prendre exemple sur certaines choses de Russie actuellement. Il y a beaucoup de gens à l'Ouest, pas seulement à gauche, mais aussi à l'extrême droite, qui flirtent avec Poutine pour diverses raisons, que ce soit pour avoir du soutien ou parce qu'ils détestent les États-Unis ou l'Union européenne. La Russie joue très efficacement avec ses cartes. Joseph Kobzon, idole des Russes. Soupçonné d'être lié à la mafia russe, les États-Unis lui refusent deux fois un visa d'entrée. Il se mêle de politique dans tous les pays où il y a de l'influence russe. Diviser pour mieux régner. Pour le Kremlin, il est rentable que l'opinion publique pense que la guerre soit menée contre le fascisme et le néo-nazisme plutôt que pour le gaz. Du même souffle, le Kremlin offre son soutien à plusieurs partis d'extrême droite en Europe. Rien de plus facile que de faire passer un cosaque pour un néo-nazi. Contrairement à ce que l'on peut lire dans les médias sociaux, Mykola Bondar déteste autant Poutine que l'extrême droite ukrainienne qu'il a sauvagement agressée. Les paroles de Poutine ne valent rien. Même une fois l'armée russe partie, ce qui s'est passé ici mettra des années pour guérir. Mais il y a deux guerres qui sont en cours. Il y a la guerre en Ukraine présentement, et disons les conflits à l'extérieur de l'Europe, mais surtout la guerre des mots. Dans tous les pays, on assiste présentement à une guerre des mots et chacun tire avantage pour sa population nationale. Pour Vladimir Poutine, c'est d'augmenter la fierté de son peuple, d'augmenter son contrôle sur sa population, de donner l'image d'une Russie qui se défend, qui prend des positions fortes face à la communauté internationale, face aux États-Unis, qui n'est c'est pas servile comme l'image qu'on avait de la Russie à la fin des années 90, qui a réintégré la cour des grandes puissances. Но я знаю, я уверен, мы все преодолеем, все решим, потому что мы вместе. Слава России! La Russie veut garder son rôle comme une des puissances militaires, économiques. Est-ce que c'est une grande puissance globale? Je pense qu'on peut maintenant conclure que c'est une puissance régionale plutôt. Mais je pense qu'il veut continuer de s'assurer que ça demeure comme ça. Un des rôles clés de la propagande reste de détourner l'attention des enjeux qui ne concernent pas le peuple.
comme le fait que le gros des profits du gaz reste dans les poches des oligarques. Si vous demandez aux Russes, croyez-vous que votre pays est bien dirigé? Non. Croyez-vous que la corruption s'aggrave? Oui. Croyez-vous que les services publics s'améliorent? Non. Croyez-vous que les infrastructures sont meilleures? Non. Faites-vous confiance à vos dirigeants? Non. Êtes-vous satisfait de quoi que ce soit dans ce pays? Non. Aimez-vous Poutine? Oui. Je crois qu'en Russie, il est dangereux aujourd'hui de dire « Selon moi, Poutine est une canaille, un voleur qui entraîne le pays dans une mauvaise pente. » Je peux comprendre que les gens répondent d'une façon dont ils jugent plus sûr pour eux, plutôt que d'après leurs convictions. Je suis vraiment désolé pour les Russes. On leur a dérobé les fruits de la chute du communisme en 1991 et de la libération de leur pays. Ils sont passés d'une forme d'autocratie, le totalitarisme soviétique, à une autre, le capitalisme de connivence et la kleptocratie. Ce n'est pas bon pour les Russes. Ils font partie de la civilisation européenne. La culture russe est extrêmement importante. J'estime que cette bataille contre le Kremlin ne sera gagnée que si nous avons les Russes de notre côté. Il faut décider, voulez-vous vivre dans un système démocratique ou non? Si vous faites partie de la Russie, ou si vous coopérez étroitement avec la Russie, il vous faut oublier la démocratie, l'état de droit, la primauté du droit, la liberté de presse, la liberté de parole, etc. Il n'y a pas de station de télévision indépendante au pays. En général, les Russes ne lisent pas la presse. Ils se tournent vers la télévision. Et quand elle appartient à l'État, on y voit toujours la même propagande. Des stations de télévision ont été fermées, des journaux ont été fermés, et des journalistes ont été tués et mis en prison. Tués ou mis en prison. Si vous qualifiez cela de liberté de presse, eh bien, c'est une liberté de presse à la russe. Сенсационное признание гражданина Германии, который несколько дней назад получил ранение в стенах Николаевской области. Au tout début de la crise en Ukraine, un même témoin, sous le même nom, dans le même décor, tourné par la même équipe, a été présenté sur trois chaînes russes, propriété d'État, comme espion allemand à la solde des néo-nazis, pro-russe attaqué par les néo-nazis, puis comme un héros en Crimée ayant sauvé la vie à 200 enfants dans les émeutes. Face à la pression des médias sociaux, une seule des chaînes a fini par déclarer qu'elle avait été victime d'un canular. Mais ce qui est important, quand on est dans une guerre des mots, c'est les symboles, beaucoup plus que les gestes en substance. La plupart des gens se basent sur soit la télé, soit des réseaux sociaux monolithiques, ne cherchent pas à confronter leurs idées reçues, ce qui limite leur information, ce qui simplifie leur raisonnement. Le contrôle de l'image de la Russie sur la scène internationale favorise les intérêts russes dans l'ensemble des marchés, mais surtout en Europe. Il faut relativiser les choses. Poutine, il verrouille la presse, mais la censure là-bas n'existe pas. C'est ça la réalité. Les grands médias, la télé, la radio appartiennent évidemment à l'État, sinon contrôlés par l'entourage de Poutine et Poutine lui-même, mais la censure formellement, ça n'existe pas. Lors de la populaire émission annuelle « Ligne directe avec Poutine », où le président répond aux questions de son peuple, le scoop de l'émission du 17 avril 2014 devait être cet appel surprise. Je voudrais, monsieur, en savoir plus sur l'espionnage des communications en ligne et la collecte de données personnelles par les services de renseignement et de police. Le coup de théâtre a grandement déçu les supporters du responsable de la plus importante fuite de données de l'histoire du renseignement américain. Après coup, Snowden a senti le besoin de se justifier dans une lettre au Guardian. Il n'était pas devenu la marionnette de la propagande du Kremlin. Poutine a depuis prolongé de 3 ans son permis de séjour. Monsieur Snowden, vous êtes un agent. J'ai eu un rapport avec la разведке. Так что мы бы с вами будем говорить на профессиональном языке. Прежде всего, у нас существует строго законодательная регламентация, и поэтому
массового характера, неизбирательного у нас нет и в соответствии с законом быть не может. Poutine fait appel à l'ambiguïté comme arme de guerre. Il dit une chose, mais il fait le contraire le lendemain. C'est très difficile pour nous. Nous nous attendons que la Russie agisse comme un État normal. Nous ne devrions pas. Nous devrions dire à Poutine, ce sont vos soldats. Ils ne sont pas en vacances, ils ne sont pas loués. Vous avez attaqué l'Ukraine, vous l'avez envahie. Et il vous faut en subir les conséquences. Ни российского национализма мы не будем поддерживать. Ни империю не собираемся возрождать. Je ne fais pas confiance à monsieur Poutine parce qu'il fait tant de déclarations et elles sont toutes contradictoires, toutes mensongères. Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет. Deux mois plus tard, il a décoré des officiers russes en leur remettant des médailles pour la libération de la Crimée. Alors, quand donc a-t-il dit la vérité? Au début ou à la fin? Considéré comme un des plus grands intellectuels d'Ukraine, Nikola Ryabchuk a publié de nombreux livres et articles sur les problèmes d'identité nationale. Il a passé 3 ans aux États-Unis comme chercheur et enseignant. Pro-Europe, il est aujourd'hui directeur de la revue Critica. Tous les pays de l'Ouest, de l'OTAN, devraient être beaucoup plus fermes, car le danger est plus grave que les gens de l'Occident ne le perçoivent. Aujourd'hui, nous payons le prix pour un manque de réaction face à l'invasion de la Géorgie par la Russie. То касается обороноспособности России, то в этом смысле наша страна является безусловно одним из лидеров в мире, потому что это ядерная держава, и по качеству нашего ядерного оружия мы, пожалуй, реально занимаем может быть, даже первое место в мире по качеству. Seul monsieur Poutine a la réponse si ce jeu est un jeu de dire on veut bien vous rappeler, on est une puissance nucléaire, il faut pas, faut nous respecter, ou c'était un peu un bluff qui se passait. Я хочу напомнить, что Россия является одной из наиболее мощных ядерных держав. Это не слова, это реалии. И более того, мы укрепляем наши силы ядерного сдерживания, мы укрепляем наши вооруженные силы. Они действительно становятся более компактными и более эффективными. Contrairement à ce qu'on pense, il ne veut pas reconstitution de l'URSS. Il veut reconstitution l'influence russe. Le mot influence. L'opposition aux priorités de Poutine existe en Russie, comme le démontrent les milliers de manifestants qui ont pris les rues de Moscou contre la guerre en Ukraine. L'approvisionnement de l'Europe en gaz ne se résume pas à une question de plomberie. Sous l'éclairage du gaz, on comprend que la Russie ne veut pas faire la guerre à l'Europe, mais utiliser tous les moyens pour protéger un marché vital pour son économie. La crise implique autant intrigues politiques, corruption, propagande que conflits armés. Une question reste sans réponse. Comment revenir au dialogue ? Et s'éloigner de la logique de guerre. Le système russe de Poutine et du Kremlin n'est pas démocratique.
C'est la grande différence et tout le monde devrait en être conscient. Je lui demanderai où sont les milliards et les milliards de dollars qui ont été volés à la Russie. Où sont-ils passés? Et qui sont ces complices occidentaux qui l'ont aidé à blanchir cet argent? Les transferts d'argent qui vont de la Russie à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, à la Suisse, il s'agit d'argent volé. S'il n'y a pas de réaction, c'est un autre message qui dit « Allez-y, continuez !» Si les États-Unis et le Canada préservaient leurs secrets technologiques, la Russie est un géant sur pied d'argile, un colosse qui s'effondrerait sous son propre poids. Faut rester simple et prendre une bonne douche froide, regarder les faits et cesser de hurler dans toutes les directions comme si la planète était au bord du cataclysme. Le pire des cas serait de voir l'effondrement de l'OTAN. L'Amérique est à bout de patience face à l'Europe. L'Europe manque de confiance envers l'Amérique. Et le cauchemar serait que la Russie parvienne à accomplir ce que l'Union soviétique n'a pas réussi, c'est-à-dire neutraliser et dominer le continent européen.